Bel français, il y a un monde qui bien travaille avec ça. Alors, c'est avantage qu'on ait gagné le chef. Et le monde qui travaille avec ça, bien travaille avec ça. Ce que d'être là bien monté. Mais Texas est développé des bagailles qui tellement intéressent ces populations sur le plan politique, sur le plan historique, que font question qui vient dans la faute dans Texas, personne ne parle pas. La question politique qui traite dans Texas, d'ailleurs, deux jours après, nous parlons de ça, ils ont camouflé. Parce que les Blinken passent ici. Monsieur Mandé, il dit qu'il va le faire transférer la mission multinationale là, en mission de la paix. Ça qui politiquement, c'est visiblement impossible. Malheureusement, sénateur Leblanc a repris ça devant l'Assemblée. Et deux jours après, la réalité va rattraper tout le monde. Parce qu'il n'y a aucun moyen sur le plan politique pour les États-Unis être capables de réussir. Ça qu'il était passé deux ans à essayer de faire avec Ariel, il n'est pas arrivé à faire une mission de la paix passée dans l'ONU. Il était en opposition et la Russie et la Chine. C'est peut-être ça fait, il était en option dans une mission multinationale sous compte les États-Unis sans la participation de l'ONU. Et maintenant qu'on est totalement anachronique, Bagayovine empiré. Ils ont essayé de faire des déploiements, ils n'ont pas marché. Ils ont même reconnaître encore, ils n'ont pas financé. Ou bien, ils n'ont pas voulu financer. Donc, c'était maladroit que Haïti, lui-même, a demandé un bagage que le patapcap obtenu dès le départ. Donc, discours, un bel discours, par exemple. Ou pas en même temps, sur le plan historique, ou pour réclamer, ou pour reprocher la France, saleté fort de la colonisation, d'être quelqu'un. Et puis, il y a 5 membres dans le Conseil de sécurité, vraiment de même la France, pour approuver une mission qui pouvait venir là. Il était politiquement illogique. Donc, là, après, comme depuis Haïtien, Haïtien, ça a eu les cas légers, danger blanc, ils sont contents. Et puis, au Paroué, font discours, une requête publique, une demande publique qui fait un discours. Deux jours après, ils ont jeté une requête là. Comme vous avez dit, qui est intéressant, par exemple, monsieur pose des problèmes racistes pour les États-Unis, qui effectivement, Trump a fait une campagne électorale là. L'obtention de bails, c'est ça, les arguments de surface. C'est ça, vous m'entendez. Soit vous m'entendez avec une retirée logique pour analyser fond question. Par exemple, fond question, c'est qu'elle demandait pour vous transformer. Mission multinationale là, en force de l'ONU, en force et de la paix, ce qui n'a pas été fait, c'est le contraire qui a été fait deux jours après. Ok. Est-ce que vous-même, vous tapez, alors, déjà, pas avant ça, là, vous avez parlé de transformation mission multinationale là, en mission onusienne. Mais c'est une blague. Depuis les Blinken, des blagues là-bas. Les Américains n'ont pas aucun moyen politique pour être capable de faire ça. Au contraire, pour moi-même, c'est ça, c'est une reconnaissance d'un échec. Parce que c'est les États-Unis qui étaient gourmets pour te faire mission avant ça. Parce que justement, ils ont une difficulté pour te faire passer comme une mission de l'ONU. Il faut qu'on même fin déployer, les mêmes qui te disent la financer là. Alors nous connaissons une moitié. Blinken n'a menti. Parce que c'est. Ils n'ont pas voulu dépenser l'argent. Les Américains n'ont pas voulu dépenser l'argent pour supporter la mission. Parce que avant, c'est les mêmes qui te reconnaître que les pas de cap bénéficier mission de la paix, la mettre mission en lui-même et la financer. C'est après ça, Alvinoué, chaque fois qu'il y a devant le Congrès n'a pas voulu accepter Baïkop. Et c'est menti, il y a des fonds spéciaux dans le CIA, dans le Pentagone, pour financer des missions que les Américains voulaient financer. Par exemple, le Congrès n'a pas d'accord avec le Conseil de COP qui a voulu en Ukraine, mais il y a eu des milliards quand même pour voir en Ukraine.
Donc si vous voulez aider Haïti, vous avez fait. Donc bagay vous devine son tente, vous devine raconter là. Malheureusement, mon en Haïti yo pas gain assez de recul, ou bien yo trop impliqué, ou bien yo totalement désespéré. Yo répété ça blanc de mais depuis le Blinken devine dit l'homme de Dieu ça pas fait. Pas gon kabou passé dans l'une comme de fait. Il pas passé. Alors colonel, mais nous remarquons que Conseil de sécurité des Nations Unies hein, de prolonger le mandat de mission multinationale. C'est la vie de l'Américain, pas même qui a fait requête là-même. Il a prolongé, il a accepté que mission ça qui là, il n'a pas retiré, il a quitté là. C'est l'homme qui s'en va battre nous avec. Ah, rien du tout. Okay. Depuis plusieurs jours. Et faute là, ce n'est pas bon côté étranger, non? Okay. C'est bon côté pas nous. Comment expliquer ça? C'est Gary Connie qui a joué le rôle chef de guerre, non, il n'y a pas de métier. Ce n'est pas professionnel ça. Et puis il a essayé de faire des bagailles. Mais en plus, il a fait vieille politique qui occupait de l'affaire pays. Et moi, pas quoi que les gens qui ont ni Gary Connie ni CPTA, ils ont voulu préoccuper de l'affaire sécurité. Non. Dans la tête, ils ont quitté le. C'est blanc qui est venu. Là, il a dégagé. Or, il n'y a pas de problème. Alors, nous avons venu sur la question de Gary Connie. Depuis plusieurs jours, alors depuis avant le voyage président conseil présidentiel là, pour aller aux États-Unis pour aller participer à la 79e Assemblée générale des Nations Unies, fait qu'on ait gagné un malaise entre CPTA avec l'équipe gouvernementale, l'équipe PM Gary Connie. Gagné porte-parole primature qui est intervenu, qui dit jusqu'à présent, pas gagné un malaise. Comment comprendre ça? Est-ce que selon le constat, pas gagné un malaise vrai? Mais bah, c'est pas tripotage, je ne vois pas qu'on a un malaise correct. On a un monde fou, et même équipe, il y a la même qualité tête que des quittés beaucoup d'arrière. Et qui voit que Gary Connie un petit peu son ambitieux, livré, il a un pouvoir absolu. Et puis, bon, puis le monde fou, il a encouragé, même le petit maître là, avec le petit monsieur qui a penché tout au niveau, et il a encouragé Ariel à faire comprendre que pas bien bicéphale, et il a fait élection quand même, depuis le bain avec un petit poste dans CPT, et il a fini, il a élargi HCT, et il y a des choses. Tout bon, puis le monde comme ça, qui a encouragé au monde qui est chef dans la bêtise. Parce que, ouais, c'est ça, chef là, t'as aimé. Le Gary Connie une maladie chef et absolu. Donc tout le monde qui a fait tout, c'est pas tripotage, c'est manœuvre. Il se met en tête, il a jeté Negro, ou bien il a neutralisé Negro, et puis lui-même, lui vient papa chef, comme pour François Duvalier. C'est pas tout le monde. Premièrement, Monsieur Patrick, il nous a une condition pour dénommer le Premier ministre. Tout Negro nous nommé le Premier ministre. Donc il pensait le gonfler le soukouyo. Et puis Kounia l'a fait une série de manœuvres déloyales. Parce que quoi faire une manœuvre politique en Haïti, c'est pas grave. Mais qu'on va le mettre en bagaille à une initiative devant la scène mondiale. À le mettre un président sans difficulté. Ou non, c'est pas une délégation, c'est deux délégations. De Haïti moun. Parce que Gary Connie fait pour le connaître que ça va marcher. Mais tellement qu'on est que. Il méprise les nègres, il méprise les nègres dans le CPT d'abord. Surtout, j'ai eu tout le vote pour l'IA. Donc, il connaît que c'est le patron des nègres dans la tête. Il y a un petit imbécile qui est bon côté, un petit délinquant, qui est bon côté, qui a encouragé ça. Faire un acte trivial au niveau international. Et puis, quand il y a un petit peu de temps, il y a un petit peu de temps pour qu'il y ait une faute. Non, ça a été quoi? Il y a fait bail là. Ben, là, il y a des répercussions. Les États-Unis écrit, sénateur Leblanc, dit qu'il y a une délégation déjà, là, il n'y a pas de sécurité pour des délégations. Donc, c'est quand vous avez écrit l'État, c'est fou ou des fous. C'est menti ou t'as bail. Donc, Gary Connie font bail, Timoun. Et que, moins doux. Parce qu'un délinquant, c'est qui ça lié? C'est un monde qui connaît un bail pas ça. Li pose ak la quand même contre la loi. Donc, li font délit. Donc, c'est ça, yo fait. Et puis, vous venez mettre le pays à nos problèmes qui n'est pas nécessaire. Alors, parler de délégation, il y a un diplomate Pierre Antoine Louis, qui nous même fait qu'on est, là, il y a une activité dans les Nations Unies. C'est le président directement qui a contacté. Et c'est le président qui lui-même connaît qui l'a déplacé
qui est-ce qui a pris une délégation, ça veut dire pas qu'il y a deux délégations. Et c'est là le problème qui vient de poser. Les PM n'ont dit lui-même qu'il y a une délégation. Alors que... Il fait une liste de délégation, il publie non monde. Même non monde qui t'a aimé, même non monde qui n'a pas de courrier certitude que le DKV vient de l'avoir, il publie. Il va rien doit faire ça. Alors il y a des gens qui parlent de coup d'état classique. Non, ça ne veut pas coup d'état. Ça, c'est stupidité. Stupidité, bah, il y a des gens qui ont une maladie chef. Maintenant, ils ont fait quoi? Quoi fin de passer? C'est les Américains qui ont dénoncé, monsieur. Parce que c'est le département d'État qui a écrit. Parce que vous connaissez ça, monsieur, vers pas ça. L'on écrit le blanc. Je dis, il n'y a pas de assurer la sécurité parce qu'il y a une délégation déjà. C'est dénoncer ça qu'on a fait. Parce que même, il y a une norme, il y a une règle. Il y a monsieur Fonbaya normal. Il même a pas de mettre tête dans un conflit diplomatique. Il y a averti, sénateur Leblanc, que il y a une délégation qui a fait la sécurité déjà. Il y a pas de délégation de sécurité. Et automatiquement, il y a réduit cette situation. Et quand il vient prendre poste, c'est un jour on est gradé en étranger, il veut me faire jouer. C'est pas pour tout bon. Et vraie délégation, c'est elle fait déclaration. Ça, il dit non. C'est le sénateur Leblanc qui est en chef de délégation. Si c'était ça, le problème n'est pas là, je me posais. Il a peut-être que Félix Lajon, ouais. Et intervenant dit ça. Son bail diplomatique, ils sont bail qui relève de la présidence. Point. Alors avant de finir avec la question, ça, il y a plusieurs professionnels dans le domaine qui dit non place conseiller présidentiel, si c'est eux-mêmes, depuis même semaine, PM n'a tout ministre affaires étrangères. T'as déplacé ou t'as tourné civil. C'est pas PM, non. Il a besoin de parler du ministre. Le ministre va responsable. Le ministre son soldat, lui, il recevra l'ordre de mon lit là pour l'obéir. Tu vas les connaître, le ministre. C'est le ministre. Le ministre font faute. Parce que les ministres sont hors illégal. Qu'on n'y a pas le droit en tant que premier ministre faire délégation. Maintenant, les ministres ont été recevoir l'ordre, ils font pour aviser la présidence, mettre l'instruction de recevoir qui ça pour le faire. Parce que affaires étrangères sous responsabilité présidentielle directement. Maintenant, ce n'est pas le ministre. C'est Gary Goni. Non, il est normal. Gary Goni fait voter nous, mon premier ministre, pendant l'autre bois, l'aile vinyle, il va même être ramassé par ici. Justement, laissez Voltaire, qui font de cas changer site, il dit que des têtes vont tomber et après que les sorties. Et d'après l'information que nous avons gagnée, hier, le conseil président, c'est la Téchita, pour être capable de poser question à laissez Voltaire, pour être capable de faire qui raison, qui cause stupidité, ça a été fait dans l'Assemblée générale ONU. Et d'après l'information qui recueillit, monsieur a gagné deux choix. Ce soir, il a révoqué Mme Dupuis, qui s'est mise à faire très cher. Ou du moins, comme un dossier qu'on a là, tout qu'on a fait en lobby pour Edgar Leblanc fils, il a décidé par rapport avec le rapport ULCCA pour ressortir, pour faire Edgar Leblanc continuer comme président AI pendant 6 mois encore en place, maintenant qu'il était supposé en place le 7 octobre. Qui sont pensés de demain ça? Écoutez, si vous avez révoqué Mme Dupuis, c'est un acte de lâcheté. Si vous avez révoqué Mme Dupuis, c'est un acte de lâcheté. Parce que Mme Dupuis n'a pas levé pour compter pour la faire gros service ça. C'est connu qui fait des autres là. Si vous avez gagné, t'es quoi vous avez une présidence tout bon. Débat n'a pas fait pour te nani, après les Alchita vient poser question. Vous avez tout simplement nommé un autre premier ministre. Pour que vous avez besoin de révoquer madame. C'est le premier ministre qui fait ça. Là, nous avons l'autre premier ministre. Et dès que nous avons l'autre premier ministre, le gouvernement est tombé. Et qu'on a d'après le reformuler le gouvernement, j'ai ouvert. Et c'est quand je m'attendais que mon capti CPTA. Et celle bas ou pas, oui, non, avec une présidence dans n'importe quel pays. D'ailleurs, pas besoin de faire qu'une cérémonie pour révoquer qu'on ils sont arrêtés ou n'est publié. Et puis pour tout sortir dans l'affaire, les opérations sont arrêtées, il faut que tout le ministre vienne rentrer là-dedans. Ils sont arrêtés. Arrêtés de nomination pour le ministre sont actes présidentiels liés. Moi-même, comme citoyen, comme politique, comme responsable d'un parti politique et comme analyste, si vous avez révoqué Mme Dominique Dupuis pour bagarre ça, c'est un acte de lâcheté. Si vous n'avez pas révoqué le premier ministre, c'est pour ne pas révoquer personne.
ça pas la blé dit pour que ça se dit c'est vrai. L'autre dit que PM ga reconnu parce que li sous tête tout le monde. Si on pas révoquer ga reconnu et y a un petit poussé. Ça la blé dit que reconnu li au-dessus de conseil là. Non mais c'est son illusion. Un premier ministre son monde qui nommé par un arrêté présidentiel. Depuis que bon l'autre arrêté présidentiel ou de mon l'autre premier ministre. Avant un monde ou chef ici et vous gon blanc à bio nous pas son Ariel Henry. Mba tout dit nous Ariel Henry a tombé quand même. C'est bagaille qui gagne là. Si bon pas qui en CPT à lui même il cap continuer exister. Parce que une faiblesse CPT à tout. C'est que yo commencé violer règles dès première fois que yo rentre en action. Première règle yo violé, il a accepté principe faire une résolution pour yo changer méthode pour yo prendre décision. Yo devine prendre une décision, c'est 7 yoé, on monde dit une majorité de 4 moun de prendre décision, c'est ce qui était écrit dans l'accord. Il y a pour une résolution qui prend disposition qui contraire à l'accord. Ensuite, il y a prend un autre élément dans la résolution. Il dit que décision a faite par une majorité qualifiée. Or, résolution ça yo, yo successif, yo vient après accord, yo modifie accord. Or CPT a pas de capacité pour le modifier accord parce que accord sont documents qui signent entre les parties prenantes. Donc c'est pas se remettre tête yo non c'est du bagage irrégulier au départ qui fait venir tomber non plus l'autre bagage irrégulier. À qui ça n'a pas tenu le 7 octobre et... Nous avons dit que depuis le bail a monté avec 9, mon homme dit nous ça pas jamais cap marcher. Donc qu'on y a yo pas gain règle. Donc chaque matin on est capable mettre règle parle parce que yo dit premièrement pour une décision prend faut que c'est yo 5. Aujourd'hui a yo pas jamais cap prendre décision parce que yo pas jamais cap joindre 5 monde. Parce que 3 monsieur grand affaire yo normalement pas supposé faire y a décider dans majorité. Mais qu'il y a ces raisons ça même qui poussent avec quelque ça. Est-ce qu'il n'est pas d'abord pour M. Gault à continuer le mandat? Étant donné que conseiller qui t'a dû remplacer dans le mois d'octobre, il est impliqué dans le scandale corruption de BNCA. Eh bien, c'est ça, Mabdou. C'est pour ça que ça n'a pas là, c'est ça, Rélé. En français, il y aurait ça, c'est. Ce sont des éléments qui conséquences ont des ordres initiales. Bah, il n'a pas parlé là, ce sont des épiphénomènes. C'est bon phénomène, oui. Ces bagailles ont été mises 9 mon a dirigé, c'est le problème, non? Donc, il y a tout faux problème, des problèmes apparents. Par exemple, problème connu à déplacer en vanyo. Ça pas dû arriver, puisque connu pas dit la déplacer en cachette. Quand ils ont récidivis, ils ont fait ça déjà. Au point là, ils ont venu, ils ont blâmé. Peut-être qu'ils étaient partis pour contrer, ils font délégation le parti, la règle a fait l'État haïtien. C'est à 3h du matin, la visée négro, la partie le même jour. Ils ont venu, ils ont blâmé. Ils ont fait ça encore. C'est pour les qu'on ils ont fait délégation, ils ont arrivé à l'aéroport, ils ont pas parti. Et puis les salles tapent tourner, viennent demander mon cap diriger pays là. Oui, même t'as parti, je dis pas qu'à parti ça passe. Donc c'est quand on dit mon ou mal élevé. Et puis qu'on y a fait fête là car en public et puis t'as mon est tombé vers l'obéi. Donc tout problème non c'est Jean CPT à monter là. Règle de base yo que écrasé. Et puis qu'on y qui s'en est rentré puis il a profité de deux autres là. Ouais combien de temps passé? 4 mois. Il a pris l'affaire pouvoir personnel pour qu'on résoudre. On demi problème que population a. Les gens qui sont chassés, qui sont caillés, dans l'école, yo. Toujours dans l'école, yo, pas de solution. Si les gens qui sont pour entrer dans l'école, yo. Pas qu'à rentrer dans l'école, yo. Pas de solution. Matisse sont toujours fermés, Canaan toujours fermés,
n'y a pas de route pour résoudre les problèmes qui concernent les populations. Il n'y a pas de 3 mois pour qu'est-ce qui puis chef passer l'autre. Merci.